Le demi-tour arrêté du parcours lent te met la misère. À chaque fois, c'est soit la ligne blanche, soit l'équilibre qui pêche. Pas de souci. Aujourd'hui, on corrige tout ça avec la technique infaillible pour réussir le demi-tour arrêté à chaque fois. Salut à tous, ici Alex du site permismotofacile.com. Et aujourd'hui, on va voir ensemble comment réussir le demi-tour arrêté du parcours lent à tous les coups. Avant de passer à la pratique, un tout petit peu de théorie pour bien intégrer les concepts. Et surtout, je t'invite à rester jusqu'au bout de la vidéo puisque je t'y révélerai comment télécharger notre e-book Les 10 commandements du parcours lent. C'est gratos et ça se passe à la fin de la vidéo. Alors, pour réussir le demi-tour arrêté du parcours lent systématiquement, ça implique de maîtriser ce que j'appelle dans l'e-book les 3 triptyques du parcours lent. Numéro 1, le triptyque de l'allure lente. Numéro 2, le triptyque de l'équilibre à allure lente. Numéro 3, le triptyque de la trajectoire à allure lente. En fait, pour faire simple, le demi-tour arrêté est une combinaison des 3. La largeur de la piste n'étant que de 6 mètres, le demi-tour arrêté se fait sur 3 mètres puisque notre pneu s'arrête à la ligne intermédiaire à la moitié de la largeur du parcours. Ce qui veut dire que l'on combine un peu toutes les tares, si on peut dire, du parcours lent. Je démarre arrêté, donc je dois gérer mon allure lente comme au départ. Je démarre en tournant très court, puisque je n'ai que 3 mètres, donc je dois gérer parfaitement mon équilibre et ma trajectoire. Allez, sans plus attendre, on passe à la pratique, la technique décortiquée sur le parcours. Le fameux demi-tour arrêté. La difficulté, on est à l'arrêt, on doit tourner très court, donc ça demande de l'équilibre et de la gestion de sa trajectoire. Bien sûr, les prérequis étant qu'on gère bien son allure. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble la technique pour réussir à tous les coups le demi-tour arrêté. La première chose, le regard. Je ne regarde pas la ligne blanche, hein, sinon je vais me la manger. À noter que j'ai le droit de mordre la ligne blanche, mais pas de la dépasser. Très important. Ce qu'on va regarder, c'est plutôt complètement de l'autre côté, l'autre ligne blanche et le plot autour duquel on fait un 8 qui n'est ici pas représenté. Pourquoi? Parce que le regard dirige là où on va. Donc si je regarde devant moi, je vais devant moi. Si je regarde derrière moi, je fais derrière moi. Donc c'est un peu le principe d'un demi-tour finalement. Ok, ça c'était pour le regard. Le placement, donc je me mets le plus à l'extérieur possible. Donc là, je ne sais pas si ça se voit à la caméra, mais mon pneu, il est à la limite de ce qui est tolérable. Il y a un plot, faut pas le shooter. Je mets le plus à l'extérieur. Pourquoi? Parce que je vais gagner en angle. Si je me mets juste là, ça va être plus compliqué. Donc ça, c'est à doser quand on arrive tout doucement en sortie de notre parcours chronométré. Venir se mettre délicatement sur l'extérieur de ces 3 lignes. Bien évidemment, j'ai pris soin de respecter le fait que j'ai le droit de poser mon pied qu'à certains endroits, etc. Donc là, je suis en neutre. C'est pas le cas le jour de l'exercice. J'ai juste mis ça pour pouvoir vous le décomposer. Donc l'idée, c'est quoi? C'est que je vais braquer mon guidon le plus possible pour gagner en angle, encore une fois. Donc je suis débrayé, donc je peux aller en butée. Ce qui va me faire gagner en angle de braquage. La combinaison gagnante, ça va être, en plus d'être en butée, d'amener sa moto physiquement, l'appuyer contre sa cuisse à l'intérieur, donc garder l'équilibre, hein, bien sûr, et en parallèle d'avoir son pied sur le repose-pied pour faire contrepoids. Donc, en situation réelle, je viens de m'arrêter. Je suis encore débrayé, je retiens bien mon embrayage. Je bascule la moto contre l'intérieur de ma cuisse pour qu'elle penche bien. Je vais en buter. J'ai confiance dans le fait que je vais arriver à garder l'équilibre grâce à mon pied qui va faire contrepoids. Mon pied droit qui va faire contrepoids. Et j'ai confiance envers mon inconscient pour ne pas dépasser la ligne blanche. Rester dans les grilles du parcours. Donc je stabilise mon régime moteur comme au départ, je relâche doucement mon embrayage avec contrôle et je laisse aller et tout va bien. C'est aussi simple que ça. À noter quand même que il n'y a pas besoin non plus de pencher la moto comme si vous alliez la coucher. Hein.
vous allez doser, vous allez expérimenter, parce que sinon, si vous la penchez trop, même en faisant contrepoids, ça devient un peu compliqué de pas faire un truc un peu bizarre. Donc l'idée, vous allez trouver, au début ça va vous faire bizarre, hein, vous allez la sentir pencher un peu trop, vous allez dire « Oh là là, je vais me casser la gueule », alors que pas du tout, parce que vous avez compris qu'il faut faire contrepoids avec son corps, et donc en fait, il y a juste à laisser faire, et on est tranquille, ça passe. Passe tout seul, juste avoir confiance. Dans cette vidéo, on a vu comment réussir à chaque fois le demi-tour arrêté du parcours lent. Ça implique de combiner tous les savoir-faire décrits dans notre e-book « Les 10 commandements du parcours lent ». Pour le télécharger, c'est gratuit, c'est 37 pages de conseils illustrés et ça se télécharge sur le www.permismotofacile.com/parcours-lent. Quant à nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!